Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort. Tous les lundis à 21h. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais bien. Je ne vais pas vous dire que je ne le connais pas. Quelqu'un que je suis, quelqu'un qui a du talent, un acteur d'avenir et qui est, j'espère, fera encore plus de films, de spectacles, etc., que j'ai pu, qui m'a bluffé encore dernièrement, alors que je l'avais déjà vu. Vous voyez comme quoi les gens sont promus vers de belles choses. Eh bien, je vais accueillir Omar Diaw. Enchanté, Akli, ça me fait plaisir d'être là. Ben, moi, ça me fait plaisir. Ah. Tu aurais dû venir déjà depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, mais là, je suis très, très content d'être ici, en tout cas, avec toi, et de voir ton émission et tout, ton envers du décor et tout. Là, Alors, après, on va venir à ton activité. Moi, je t'ai vu... Dans sur scène avec 9 mois de bonheur, ouais. Et puis je t'ai vu dans un petit film, on va en parler, d'un engagement, où ça m'a un peu aussi bluffé, parce que c'est pas des films simples, les films engagés, mais on va venir sur tes engagements. Mais d'abord, qui est Omar? Ben moi, écoutez, je suis né au Sénégal, je suis né dans la ville de Dakar, je suis venu en France, j'avais 4 ans. Alors tout le monde, quand on dit « je suis né au Sénégal », tous ils veulent être nés à Dakar, et ils n'osent pas dire qu'ils sont nés à Tombouctou ou un truc. Pourquoi ce Dakar, non, mais... genre « je suis de la capitale », le Sénégal, c'est pas Dakar quand même. Non, le Sénégal, c'est pas Dakar. À la base, je suis originaire d'un village qui s'appelle Agnam Thiodaye, dans le Fouta. C'est dans le nord du Sénégal, nord-est du Sénégal. Et, mais avec ma mère, ma mère a grandi à Dakar. Donc voilà. Donc toi, tu es né à Dakar. Ouais. Et t'es arrivé à 4 ans où, Omar Diaw? Je suis arrivé à 4 ans. Mon père, il était déjà en fait en France. Il est arrivé en France dans les années 60. Et donc, il était ici. Il travaillait à l'ambassade du Sénégal. Mmh. Et ensuite, ma mère et moi, on est venus le rejoindre dans les années 80. Et voilà. T'es de la diaspora sénégalaise, en fait, Omar. C'est ça, exactement. T'es pas un enfant des quartiers, à l'origine? J'ai habité, oui, je viens du Sénégal forcément, mais j'ai habité après sur Paris pendant un an, voire 2 ans. Et ensuite, je suis allé à Mantes-la-Jolie. C'est là où commence l'histoire, Mantes-la-Jolie. Alors, t'es arrivé à Mantes-la-Jolie, t'avais 6 ans, quoi, 5-6 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc, t'as fait toute ta scolarité à Mantes-la-Jolie? Toute ma scolarité, à partir du CP, j'ai fait à Mantes-la-Jolie. Et jusqu'au lycée. Ensuite, je suis allé à la fac à Cergy-Pontoise. Voilà. Et Mantes-la-Jolie, on va en parler parce qu'ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Donc, c'est quand même... Alors, comment tu as fait la fac à Pontoise? Comment tu étais arrivé au cinéma, au théâtre? C'est quoi qui t'a donné, qui t'a motivé? Comment? En fait, il faut savoir que, comme je t'ai dit, mon père, il travaillait donc à l'ambassade du Sénégal. Et à cette époque-là, quand j'avais 11 ans, il y a un directeur de casting qui est venu à l'ambassade parce qu'il recherchait un jeune garçon de 11 ans pour faire un téléfilm avec Annie Cordy qui se tournait à Paris et au Sénégal. Et donc mon père m'a emmené faire ce casting-là. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais là-bas. Il y avait pas mal de lumière, un peu comme ici, un peu sur ton plateau. Et j'étais assez impressionné. Et donc finalement, je n'ai pas eu le rôle. Mais quand le film est sorti, c'était sur France Télévisions. Mon père m'a dit, voilà, c'était pour ce film-là que je t'avais envoyé faire le casting. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu faire du cinéma. Ah, en fin de compte, c'est ton père qui t'a, sans le vouloir, mis le pied à l'étrier, quoi, exactement, comme on dit. Exactement, exactement. Et en plus, je me souviens que sur le chemin, quand on allait au casting, il me disait que, tu vois, là, tu vas faire, c'est peut-être pour faire un film plus tard, et peut-être que comme ça, tes enfants verront tes films, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il m'a, c'est lui qui m'a un peu poussé vers ce chemin-là. Il voulait que les gens te voient, là, du coup, ton père, tu peux le saluer, puis il va te voir, là, du coup, et parler de toi, et parler d'eux aussi. Oui, il est très fier du parcours que j'ai fait depuis maintenant une dizaine d'années que je suis dans le cinéma. Ça, c'est vraiment, ça le rend fier. Là, il est au Sénégal actuellement, parce qu'il a la retraite maintenant, il fait des allers-retours entre le Sénégal et la France. Et voilà, lui, donc là, et en plus, lui, avec Internet, il entend souvent les jeunes lui parler de moi, et donc, ça, c'est quelque chose qui rend fier, quoi. Ça le rend fier et tout ça. Ouais. Et la maman, Omar, elle dit quoi? Ma mère aussi, elle est toujours ici à Mantes-la-Jolie, ma mère, et elle est aussi très très fière de moi. Bon, c'est toujours une maman, elle a toujours un peu peur parce qu'elle se dit, bon, c'est un milieu assez difficile, donc elle a toujours, comme toutes les mamans, elle veut préserver son enfant, elle veut que je fasse attention à ce que je fais, etc., que je sois pas un peu dans la galère et tout. Et donc, forcément, il y a beaucoup de conseils, mais quand je la vois, je vois dans ses yeux quand il y a un film qui est projeté ou bien à la télévision ou bien au cinéma, et
Et je vois qu'elle est très contente. Parce qu'elle prend quand même la mesure, parce que les gens te voient sur scène, sur des moments un peu joyeux, etc. Mais ils ne connaissent pas le quotidien d'un acteur qui ouais. essaye d'avancer, de construire, de créer. Ouais. C'est assez difficile, notamment, elle est un peu lucide, non? Bah oui, c'est assez difficile, parce que moi, elle m'a vu, hein, quand je me levais tôt le matin, je monte la gelée, donc j'allais tous les jours sur Paris pour essayer de rencontrer des gens qui sont dans ce milieu, pour me faire connaître aussi, pour essayer certaines choses, pour faire des petits courts-métrages, etc. Donc elle me voyait partir, mais elle ne savait pas vraiment ce que j'allais faire, parce que c'est un milieu qui est très très éloigné d'elle, donc elle ne sait pas. Mais après, à partir du moment où j'ai eu mon premier contrat, où j'ai tourné mon premier film, qui s'appelait Regarde-moi, en 2006, à partir de là, elle a vu un peu les affiches un peu partout, et quand elle a su que j'étais au cinéma et tout, donc... Voilà, elle a compris un peu ce que je voulais faire. Alors, moi, j'ai reçu ici Rachel Kahn sur, vous savez, Black n'est pas mon métier, etc., sur les actrices là, qui avaient fait les choses. Et est-ce que c'est dur quand on est Black, entre guillemets, si je puis me permettre de parler ainsi, parce qu'on est derrière tout, mais est-ce que c'est dur de percer? Est-ce qu'il y a des assignations en résidence, comme on l'a fait pour les Arabes, des rôles de terroristes, de ceci? Est-ce que c'est pas un peu fermé dans le cinéma français? En tout cas, moi, pour ma part, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est que c'est vrai qu'on m'a proposé. Différents rôles, j'ai tourné, je sais pas, j'ai été un jeune qui a, par exemple, j'ai tourné dans une série qui s'appelait Femme de loi, où je jouais le rôle d'un mec qui était fils d'un richissime, d'un mec qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et je travaillais, j'étais en HEC, etc., à New York et tout. Ouais, loin des clichés, quoi. Très loin des clichés et j'ai aussi la chance aussi de... Non, franchement, j'ai eu beaucoup de chance quand même dans mon parcours. Et aussi, il y a ce truc-là aussi, c'est que... J'attends pas que les projets viennent à moi, c'est-à-dire que des fois aussi, je me les crée aussi, j'écris pour moi et je me donne des personnages qui sont loin de Omar, quoi. Comme ils l'ont fait, c'est un peu un personnage loin de Omar, ou c'est un peu ces jeunes ou ces gens qui sont effectivement dans les quartiers, mais qui ont envie de créer des choses, qui ont de l'énergie, de la vitalité et des projets? Ils l'ont fait, c'est ce qui est bien pour ce film-là, c'est que ce film a été tourné déjà à Mantes-la-Jolie, chez moi. Et avec des acteurs de chez moi et c'était vraiment un kiff parce que j'ai toujours voulu faire un truc à Mantes-la-Jolie. Donc quand on m'a proposé ce film là, j'ai saisi l'opportunité directement. Je me suis pas posé trop de questions et je savais qui était derrière aussi le scénario. Je savais que Saïd Baïj est un très très grand écrivain, il a vraiment beaucoup de talent ce mec, dans la musique, dans l'écriture. On salue d'ailleurs, parce que tout ça qu'il doit nous regarder. Ah oui, Saïd, et puis tes vieux complices, Khalid Balfoul et d'autres. Khalid Balfoul, Majid Edekan et Rachida Kiaou. Ouais. Donc voilà, j'étais vraiment très flatté déjà qu'on me propose ce rôle. Et c'était voilà, c'est une comédie populaire qui se tournait à Mantes-la-Jolie sur la politique un peu. Et voilà, c'est toute similitude avec des histoires sont bien sûr fortuites. Hein. Ah, après ça, moi je suis pas à l'initiative de l'écriture du projet, voilà. Mais je pense qu'ils sont quand même assez inspirés de tout ce qui se passe autour. Mais je pense que ce contexte, ce sujet-là, on aurait pu le traiter partout dans le monde. Voilà. Et donc, ce film, c'est vrai que c'est un peu ton histoire, donc ton histoire, pas à toi, mais Mantes-la-Jolie, le fait que tu veux retravailler. Et puis, je sais qu'on va y venir après, mais on reparlera de ce film Youve qui te tient à cœur. Ouais. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un petit détour par ce projet qu'on t'a proposé sur le blanchiment de la peau. Ah oui. Je voudrais que tu nous en parles, parce que, comme j'ai dit que tu étais acteur engagé, c'est vrai qu'on te sollicite beaucoup. Ouais. Alors, on va le dire tout aux gens, sollicitez-le beaucoup, mais laissez-le travailler aussi, ou insistez pour qu'il travaille, parce que souvent, on nous sollicite pour faire du bénévolat, et les gens, qu'ils soient artistes ou autres, ils ont besoin de vivre. Hein. C'est vrai qu'on te sollicite beaucoup, et tu réponds beaucoup aux sollicitations. Ouais, moi, je suis... Voilà, continue, c'est un petit souci. D'accord. Donc ouais, voilà, et c'est vrai qu'on me sollicite beaucoup, mais là, pour du bénévolat, pour des choses, et là, tu as été sollicité pour un film, engagé, notamment contre le blanchiment, de la peau, etc. C'est vrai que moi, je pars du principe que notre art, en fait, il sert à véhiculer certains messages. Et des fois, il y a des choses où on ne va pas chercher l'argent forcément. C'est pour justement ouvrir les yeux aux gens et leur donner conscience de ce qui se passe, surtout dans les pays africains et même partout dans le monde. Dans le monde, Et quand on voit des jeunes filles... qui se blanchissent la peau pour et surtout qui chopent des maladies de cancer, etc. à cause de ça, je me suis senti un peu dans l'obligation, même pas dans l'obligation, mais je voulais le faire à tout prix parce que je voulais
Je voulais, parce que je connais aussi des gens qui ont fait qui utilisent ces produits-là. Voilà, et donc je voulais participer à ce court-métrage. Et je suis très très content du résultat parce qu'il y a une projection, c'était Mams et Ben qu'on appelle. On salue Mams Benyafa, qui était aussi très engagé sur ouais. cette question. Exactement, et c'est lui qui m'a contacté pour ce joli projet. Et vraiment, j'étais très très content parce que ça a ouvert un débat lors de la projection. Des gens qui étaient forcément contre ça, mais et c'était bien, c'est qu'il y a des jeunes filles en plus qui ont même utilisé ces produits qui étaient là ce jour-là, et on les a sentis émus à la fin de la projection. Et c'est vrai que c'est un grand réalisateur qui a réalisé le film, c'est quelqu'un de connu. Oui, hein. C'est en plus, le film a été réalisé par une jeune fille qui s'appelle Mariam. C'est qu'on ça. A reçu déjà voilà, ici. Ouais. Voilà, et c'est et vraiment, je suis très très fier d'elle parce que c'est un sujet qui la touche beaucoup et on la sent vraiment on la sent vraiment investie en tout cas dans ce projet. Ouais, ben c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche tous parce que il ouais. y a la question de la reconnaissance. Ouais. Donc comment les gens peuvent être en malaise pour être obligés de se blanchir pour ne pas être eux-mêmes. Ouais. Il y a la question de la santé. Ça touche vraiment à tout quoi. Ça touche vraiment à tout et c'est pas qu'en Afrique. C'est-à-dire même en Asie, il y a des gens qui partout dans le monde. Voilà. Ceux qui ont la peau un peu mate, qui voudraient avoir parce que les critères de beauté, les gens font croire que la peau blanche, ils pensent c'est un que critère c'est ça, de beauté. Alors qu'il y a des très très belles femmes. Noir ou asiatique, oui, peu importe, et voilà, on n'a pas besoin de se mettre des produits dans la peau pour et en plus de cela, la plupart des cas, ça tue leur peau et ça les rend pas plus belles le truc. Voilà. Pour autant, la beauté c'est toujours dans le regard de l'autre. Exactement. Mais ça nous renvoie quand même aussi à cette société, et quand on regarde un film, c'est le regard qu'on porte aussi sur les gens, peut-être, non, c'est ça qui pose problème. Bah oui, c'est ça forcément, parce que on a toujours besoin de savoir ce qu'on pense, ce que les gens pensent de nous, mais comme je le dis tout le temps, moi il faut avancer sans se prendre la tête et surtout faire les choses pour soi, pas pour les autres. Alors, il y a aussi un bébé, Omar, il n'est pas né, il est encore 9 mois de bonheur, ouais. il est encore en gestation, oui, oui. Si je puis dire, c'est pas très beau, mais bon, c'est le terme. Oui. Et donc, c'est toi qui as écrit, c'est 9 mois de bonheur, c'est cette mise en scène, ce travail, parce que je suis venu voir ça, c'est bluffant, j'invite tout le monde à venir le voir. C'est quoi ce bébé de 9 mois de bonheur ? 9 mois de bonheur, il est venu, en fait, juste après Amour sur place emportée, j'avais joué avec Sabrina Ouazzani. Sabrina Ouazzani, très grande comédienne. Très grande comédienne, ouais. Et humainement aussi très engagée, grande et très sympa en plus. Ah oui, hein. Super cool Sabrina. Et donc j'ai joué avec elle pendant un an, et on avait remplacé Noum Diawara et Amel Chabi. Et à la fin du spectacle, à la fin d'Amour sur place emportée, j'ai senti un petit vide, je voulais remonter sur scène, et j'ai appelé un ami qui s'appelle Fonzi Meutoug, et on s'est dit qu'on allait écrire cette pièce, 9 points de bonheur. Et donc on a commencé l'aventure comme ça. Alors c'est quoi un peu le subtil de 9 mois de bonheur pour que les gens, ceux qui nous regardent, ils se disent tiens, faut absolument que je vois cette pièce. Bah, 9 mois de bonheur, c'est comme son nom l'indique, hein. De toute façon dans le titre on comprend tout de suite de quoi on parle. Ça parle donc de grossesse forcément, de bébé et d'amour et de tolérance, de mixité. C'est tout ça réuni voilà, dans un cocktail explosif d'humour. Explosif, et c'est vrai que dedans, tu parlais de ton père, tu le parodies un peu. Oui. Ouais, c'est s'amuser. Je vais vous corriger là. Je parodie un peu les papas africains et les mamans maghrébines, etc., voilà. Un peu dans leur peur de l'autre, parce que ça existe malheureusement. Mais, l'autodérision, forcément, c'est important. Et surtout, c'est pour montrer aux personnes concernées que ça peut marcher, des couples noirs, maghrébins, etc., etc. En réalité, c'est nous qui nous créons des obstacles, c'est pas l'autre, c'est nous-mêmes qui... C'est nous-mêmes. C'est dans nos têtes, non ? Bah oui, parce que je pense que c'est aussi très culturel. C'est-à-dire aussi, je pense aussi que les gens aussi ont peur de c'est pas avoir... C'est, je pense pas que ce soit de la xénophobie ou bien quoi que ce soit. Je pense que c'est plus de la peur de rester entre soi, entre eux-mêmes. Tu comprends ? C'est-à-dire... L'entre-soi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire de pas... on est toujours beaucoup plus à l'aise quand on est avec quelqu'un qui nous ressemble. Alors que, justement, le contraire prouve que quand tu te mets avec une personne qui n'est pas de ta culture, bah, tu apprends beaucoup d'elle et vice-versa. Et tu élargis ton mind. Moi, je trouve qu'effectivement, que dans ce spectacle, moi j'ai vu, c'est très drôle. Ouais. On rit beaucoup. Merci. Mais il y a beaucoup de messages forts que vous voulez passer. Voilà, moi ça c'est mon... c'est les premiers... Enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça fait partie des premiers critères. C'est-à-dire que je veux toujours
faire passer un message. Maintenant, là, on a la chance, c'est par l'humour. Donc, l'humour, ça marche bien et les gens, ils rigolent, mais en même temps, ils comprennent. Donc, c'est vrai que voilà, mais c'est pas facile hein, de faire passer un message par l'humour. Mais en tout cas, quand on arrive à le faire, c'est vraiment très, très bien. Et je suis très content parce que c'est un spectacle aussi qui touche, qui parle à tout le monde. C'est-à-dire que dans la salle, il n'y a pas que des Maghrébins, il n'y a pas que des Noirs ou quoi que ce soit. Ça touche vraiment tout le monde. Et on l'a joué en Martinique, par exemple, on l'a joué en Tunisie, on l'a joué aussi à Avignon. Plein de salles, voilà, et donc, c'est un spectacle qui parle à tout le monde, parce que la grossesse, c'est un sujet universel. Donc forcément, tout le monde se sent concerné. Oui, ben on était tous, ben, on a bien, en tout cas, je vous invite à y aller, parce que c'est très drôle, ouais, et il y a vraiment beaucoup de subtilité, des messages qu'il faut découvrir. Voilà. Alors, Omar, je crois que... Il y a un projet que tu portes depuis longtemps et qui te tient à cœur. C'est quoi ce projet? C'est quoi cette histoire? Et on en est où dans cette histoire-là? Parce que c'est... Bah, c'est un film, en fait. C'est un long-métrage que j'ai co-écrit avec Khalid Balfoul, qui est mon ami et mon associé et tout, et Ibtissem Gerda, qui va réaliser ce film. Ça s'appelle Youv. En fait, ça parle d'une histoire, d'un gars qui a fait 14 ans de prison à cause de braquage, etc. Et ça m'a intéressé parce que cette personne, elle vient de Mantes-la-Jolie. Oui, donc c'est une personne. C'est le surnom, je crois que vous lui avez donné d'ailleurs, Youv dans la cité, c'est ça. Voilà, c'est son surnom. Youv, hein. Ouais, c'est son surnom, on l'appelle comme ça. Et un jour, en fait, j'étais sur Facebook, il était en prison et bon, vous savez, en prison, maintenant on peut se connecter hein, sur les réseaux. C'est sûr, c'est vrai. Et donc voilà, on a commencé à discuter un peu et je lui ai dit voilà, que je suis dans le cinéma et que j'aimerais bien raconter sa vie. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait. Raconter toute sa vie, tout ce qu'il a fait sur Facebook, en chronique. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui le suivent. Et donc, j'ai lu son histoire et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, je l'ai proposé, il était d'accord. Et donc, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on est dessus. Mais et, il est sorti, Youv, il est dehors. Ah oh, oui, il est dehors maintenant, il est sorti. Mais c'est vrai que à l'époque, en tout cas, quand ça a commencé, il était encore en prison. Et donc, on a écrit le scénario, on lui a fait lire, il a adhéré. On s'est beaucoup inspiré de sa vie et là le film il est en production, il est en financement. Donc voilà, il y a beaucoup de comédiens qui ont déjà accepté de le faire. Et on est très très contents, ça suit son cours en tout cas. Et vous avez tous les financements, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui peuvent se dire, tiens, je vais les contacter peut-être pour les financer. Bah écoutez, de toute façon, nous, le financement, hein, c'est juste que... plus on aura, plus le film sera intéressant. Bah oui, bien sûr. Mais en tout cas, on est très contents, franchement, parce qu'on a une vraie équipe qui est avec nous sur ce film et il avance très très bien. Ouais, parce que c'est un projet qui date. Hein, ah oui, ça fait déjà 3-4 ans. Parce que 3-4 ans, vous êtes dessus et ça vous tient vraiment à cœur, vous ne voulez pas lâcher là-dessus. Ah, on ne peut pas lâcher, impossible. Ah, pourquoi tu ne veux pas lâcher sur ce projet? Bah moi, quand je commence quelque chose, je ne lâche pas, généralement. Je ne peux pas. Et quand je commence quelque chose et j'y mets toute mon énergie, c'est pas pour le lâcher au bout de 3 ans. Mmh. On sait très bien que faire un premier film dans le cinéma français, c'est très difficile. Peu importe qui que tu sois, c'est difficile. Donc, on était conscient de ça. Et voilà. Et en plus, c'est notre passion. C'est un plaisir de partager cette aventure avec, en plus avec Khalid et Ibtissem. Donc non, je suis très très content. Khalid et Ibtissem, on vous salue. Ouais. Omar vous a pas oublié. Hein. Jamais. Parce que je suis sûr que Khalid va regarder, il va dire, je vais voir s'il a pas dit un truc là. Et ne nous appelle pas, hein, tout va bien. Hein. Non, Khalid c'est le frérot, Khalid. Ouais, c'est vraiment, c'est un ami, Khalid. Ah oui, c'est un ami. Et j'espère, franchement, Et je suis vraiment très très content de faire ce projet avec lui. Et Ibtissem quand même, parce que Ibtissem va réaliser le film, et en plus on a voulu que ce soit elle qu'il le fasse, parce qu'on voulait un regard féminin aussi sur ce film-là, parce que ça parle d'un univers très masculin dans la prison, etc. Et donc, il faut savoir que le vrai Youv dans sa vie, il a eu quand même, il y a eu sa mère, il y a eu sa femme qui l'a soutenu pendant toutes ces années en prison, et donc forcément on voulait ce regard féminin pour un peu mettre un peu plus de douceur, on va dire. Ah oui, c'est bien. Tu sais que je connais bien un peu tout le monde, enfin, beaucoup de gens du Val-Fouré, ouais. Du Mantes-la-Jolie, parce que je suis venu travailler au Val-Fouré, ouais. Au Mantes-la-Jolie. Ouais. Ah oui, du temps de Radio Droit de Cité. Ah oui, RDC. Je te donne une anecdote. Un jour, je suis venu, ça tu vas te rappeler, et Yann me dit, tu vois là, le groupe, ce groupe-là, tu vas voir, il avait fait venir, je ne sais plus, je dis un nom, il m'a dit il va péter les compteurs. Ouais. Excusez-moi l'expression. Et moi, j'écoute et je vois, je dis bon, peut-être et tout ça. Et le groupe, c'est. Je passe à la radio, tu vois, qui c'est le groupe? C'est de trouver. C'était un groupe de Côte d'Ivoire. Ouais. Quoi Gaoula?
Hein? Quoi? Ouais, quel premier Gaou. Ah, Magic System. Voilà. Ah, eh ben, tu vois, j'ai un peu les trucs. C'était Magic System qui était à Radio Droite Cité. Ah ouais. Et c'était une des premières radios qui faisait en France. Yann Enuro, qui est d'origine de Côte d'Ivoire, et les avait fait venir, et je les ai vus, et il m'a dit, tu vas voir, ils vont exploser. Il a eu raison. Tu vois, c'est pour te dire des anecdotes de Valfouré pour partager avec les gens. Et en Valfouré, on ressent un peu, on arrive à sentir les talents. Mais vous avez senti, mais c'est vrai que avec RDC, avec Varkan, Benchouk, Fahim, tout ça, il y a quand même, et puis j'en ai connu d'autres, ça tout ça, il y avait quand même beaucoup d'énergie au Valfouré, franchement le Valfouré c'est une ville très culturelle. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, on allait dans un centre qui s'appelle le Centre Chopin, il y avait Saïd Baïj, et on faisait des percussions, on faisait des... Il y avait un groupe qui s'appelait Oriental Family, avec Raïs Tijani, et tout petit en fait, même dans les... quand on faisait les fêtes de quartier, parce qu'il y a le Valfouré, mais dans le Valfouré il y a plusieurs petits quartiers, et chaque quartier, en été, on faisait des fêtes de quartier, on invitait tous les artistes locaux. Il y avait Faudel d'ailleurs qui venait souvent faire des concerts aussi là-bas avant qu'il soit qu'il explose. Hein. Et voilà, on a toujours été un peu dans ça. On a toujours eu des petits endroits pour faire de la musique, pour danser, pour chanter aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis RDC, c'était vraiment c'est une radio du collège. Ah oui, oui, oui. C'est une radio qui a propulsé des gens. Ah oui, beaucoup. C'est une vraie radio. C'était vachement pro. Moi, je faisais l'émission Vote mon pote, etc. C'était vraiment, il y avait des idées quoi. J'ai vu ces jeunes, donc c'est vrai qu'il y a une véritable énergie. Ah non, franchement, moi, pour ça, je suis très 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 content d'avoir grandi dans cette ville. Voilà, c'est pour ça que les gens qui nous regardent toujours en train de dire « Ah bah les cités, les ceci », non, le Valfouré, c'était avec de l'énergie, avec de la vie. Non, nous, franchement, on a je me rappelle, jeunes, on était tellement bien, on avait tout autour de nous. On restait dans la cité, certes, c'est vrai, malheureusement, on restait beaucoup dans la cité, mais sincèrement, on touchait un peu à tout. Alors, maintenant que c'est pour ça que, Omar, parle-nous de 9 mois de bonheur. C'est quoi l'avenir de 9 mois de bonheur, les tournées qu'il va faire? Je sais qu'avec on salue Achou qui va. Justement, c'est là-dessus. Bah, là, je bosse avec elle, donc avec Ashura, Achou Evans. On bosse ensemble sur le spectacle. Et là, il y a pas mal de dates qui sont en train d'arriver petit à petit, des dates de tournée, que ce soit en France ou aussi un peu à l'étranger. Et donc, voilà, tout se met en place un peu. Et je suis très, très content de faire cette aventure avec elle. Parce qu'elle est venue avec une nouvelle énergie. C'est comme une nouvelle renaissance, en fait. Je ne sais pas. C'est une renaissance. Moi, j'avais vu le spectacle avec il y a quelques temps. Ça fait 2 ans, je crois, un peu plus. C'est ça, à peu près, Omar. Je me souviens souvenir exactement. Ce mot. Parce que l'Alzheimer me guette. Non. et donc là, j'ai revu. C'est une renaissance. On dirait que c'est plus le même spectacle. Il y a toujours les mêmes messages forts. Mais il y a une vraie... C'est rythmé. Faut voir. On a fait un gros travail là-dessus sur la mise en scène, etc. On a retiré certaines choses. Et aussi, c'est une pièce qui est interactive et des fois, on parle beaucoup avec le public aussi, donc ça c'est aussi important pour nous. Et aussi, on utilise aussi beaucoup l'actualité. Par exemple, là, le jour où tu es venu, le 10 décembre, au théâtre du gymnase, on a parlé des gilets jaunes. On a essayé de le placer à un moment précis. Et voilà, c'est ça qui est bien avec ce spectacle-là. J'ai trouvé que c'est effectivement quand il y avait des amis artistes, ils montaient sur scène, Walid, c'était assez sympa. C'est ça, en fait, ce jour-là, j'ai vraiment voulu faire un truc assez exceptionnel. J'ai pas voulu faire la pièce comme je la faisais avant, et même pour moi, j'aime bien des fois essayer certaines choses, de passer dans ma zone de confort et tout. Et donc, j'ai proposé à Warkid Bouzidi s'il voulait interpréter un personnage qu'on ne voyait pas généralement, et Wesley Weigel aussi. Qui a été excellent. Il y a Sherif Alouna aussi qui est arrivé à un moment donné. Toute la salle, ils s'y attendaient pas, ils ont tous chanté avec elle. C'était vraiment exceptionnel. Je l'ai vu, elle était venue s'asseoir à côté de nous, et après elle est repartie de côté de Sherif Alouna. Mais c'est vrai que moi, c'est pas le fait que les gens soient intervenus, parce qu'on sait que tu les connais, mais ce qui m'a vraiment... Moi, marqué, c'est que tu as pu jouer avec ça, c'est-à-dire que tu as pu intégrer des éléments nouveaux. Donc, c'est la qualité de l'acteur qui m'a, la prestation qui m'a un peu. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit, je te l'avais dit avant l'émission, ça m'a scotché un peu, tu vois. Merci beaucoup. Parce que j'ai dit, parce que c'est toujours pas simple de jouer avec des gens qui viennent quand c'est pas prévu dans le spectacle. Les gens se rendent pas compte de tout ça. Oui. Et quand on joue avec le public. C'est ça. Parce qu'il faut savoir rythmer ça aussi, non? Bien sûr. Parce que tu avais trouvé un gars devant. Après, c'est comment tu rythmes. Parce que si le gars rentre trop sur scène, ça peut perturber le spectacle. Exactement. S'il rentre pas assez, ça fait flop. Donc, j'ai vu que c'était assez. Ouais, mais après, je sais pas. Après, moi,
j'ai toujours assez, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça parce que je suis sur scène, donc je me vois pas forcément, donc je sais pas trop comment les gens vivent le show. Mais c'est vrai qu'on nous dit souvent que le spectacle est très très bien rythmé, et qu'on laisse pas de temps mort en fait, parce que le spectacle il dure quand même 1h20, oui. Et les gens à la fin ils sont putain c'est déjà fini, mais ouais c'est déjà fini 1h20 quand même, c'est vrai beaucoup. Non mais là on rentre dans le spectacle, ouais. et c'est ça, on a l'impression que c'était à une vitesse grand V quoi. Ah bah ça c'est les plus beaux compléments qu'on peut avoir, hein. Ça veut dire que les gens passent un bon moment. Ouais, donc c'est ça que je disais. Et donc là on va voir la tournée. Ouais. Donc les gens, ils peuvent prendre contact avec vous, ceux qui veulent vous programmer. Voilà, c'est ça. Il y a un budget à prévoir, peut-être leur dire, puisqu'on en est là. Bon, après moi, ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Hein, ah, il faut qu'il s'arrange avec H.O. Voilà, ça, c'est avec H.O. Bon, bah, elle leur dira, je pense qu'elle va gérer ça. Voilà. Et donc, et là, Omar, bon, comme ouais. C'est ton émission sur la bonne famille, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta famille, peut-être, ou à ton père, qui doit être au Sénégal, qui va regarder. Mes parents, c'est important quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ceux qui font que tu es là, parce que tu me disais, ma mère s'inquiète pour moi, mais je pense que tu as la tête sur les épaules, parce que moi, le Omar que je connais, je le vois sur scène, et quand je le vois dans la rue, c'est quelqu'un de respectueux, de discret, d'humble, et qui parle à tout le monde de la même façon. Bah merci. Bah ouais, moi, en tout cas, ça c'est quelque chose qui ne changera jamais. De toute façon, on a été, je pense, tous éduqués comme ça, et j'ai envie de dire, voilà, jamais de la vie je me prendrai pour je sais pas qui ou quoi que ce soit, parce que c'est pas... Parce qu'en plus, je suis très croyant, et je sais que, voilà, là, c'est... Dieu avant tout. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de dire alors à tes parents qui n'ont pas été avec mes parents que je les aime de tout mon cœur et merci pour le soutien, merci pour tout, merci parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile et on s'est toujours soudés. Je suis l'aîné de la famille, j'ai mes sœurs, mon petit frère et je suis très très content d'être entouré de ces personnes là. T'as combien de sœurs? T'as un frère et combien de sœurs, Omar, toi, t'as? Une famille nombreuse, nous. Hein. Non, combien? C'est nous, Sénégal, nous. Ouais. Hein. Non, c'est combien, là, on va dire. C'est pas famille nombreuse, Sénégal ou plus. Ça, nous, je suis d'une famille de 6 enfants, donc on n'a pas... Nous, j'ai 7 sœurs et un frère. Ah bah oui, c'est pas une grande famille. Hein, non, là, ça puis, va quand même. Il y en a qui arrivent à faire mieux. Hein, ah oui, c'est vrai. Et puis, si tu veux, Omar, juste pour dire ça, comme tu leur parles à tes frères et sœurs, quand on est petit, on a l'impression d'être surchargé et tout, mais en vieillissant, on est quand même heureux de les avoir. Ah, parce oui. Que les gens qui n'ont pas de frères et sœurs, c'est quand même assez triste. C'est triste. Hein. Hein ah, c'est triste. Là, aujourd'hui, tu te rends compte que ce n'est pas assez. Quand on est petit, je me disais, mais par rapport aux autres, on est famille nombreuse, c'est oui, quoi ça oui, on a et là, maintenant, je suis tellement heureux de les avoir que je me dis, mince. Bah, oui. Des fois, je me dis même, c'est dommage qu'on n'ait pas été plus nombreux. Bien sûr. Le gamin, on a toujours ce petit sentiment de honte, en fait. Parce que quand on nous dit, vous êtes combien? Moi, je n'osais jamais dire, en fait, le nombre de personnes qu'il y avait dans ma famille. En plus, nous, chez nous, ça ne se dit pas trop, en fait. Bah oui, ça se dit pas. Donc, voilà. Mais non, mais là, je suis très. Très content de mes frères et sœurs, et c'est un plaisir de les avoir. Alors avec on les moi. Salue, je les salue du fond du cœur, je les aime beaucoup, voilà. Je les aime fort. Et là, pour finir l'émission, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous regardent? C'est quoi le message que tu as passé, Omar? Eh bien, que déjà que j'ai passé un très très bon moment avec toi, Akli, et tu es une personne aussi qui nous suit depuis très très longtemps, et tu as toujours été là à nous soutenir et tout, et donc. Et c'est pas, je sais que voilà, tu fais beaucoup de choses aussi, hein, donc forcément, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Et quand je t'ai vu le soir du 10, j'étais vraiment, vraiment, vraiment touché. Vraiment touché de te voir ici. Et tu m'as pris dans tes bras et tout, ça m'a vraiment fait plaisir. Bah, ça, tu vas me faire rougir, mais là, parce que c'est la vérité. Tout discret de faire les choses. Ouais. Et non, mais c'est vrai que aussi, je le dis parce que les gens nous regardent, on a envie d'accompagner les gens qui sont sains, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment des valeurs, qui défendent. Moi, j'ai suivi le parcours depuis longtemps, je te vois engagé dans ça, quand on t'appelle tout ça. Et c'est vrai qu'on a envie que les gens avancent et réussissent parce que c'est un peu des locomotives pour cette jeune génération, non? Bah ouais, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Donc quand on le fait, faut savoir le dire et le souligner, quoi. Donc en tout cas, c'est vrai que depuis maintenant 2-3 ans, tu es là avec nous, tu nous suis tout le temps. Là, tu m'invites aujourd'hui dans ton émission. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Il faut le dire. C'est toi qui nous honore de ta présence parce que cette émission n'existerait pas sans vous. C'est ce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que on est liés les uns aux autres. Et sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Sans la qualité et le travail que tu fais, il n'y aurait pas d'émission. Donc c'est moi qui vous remercie d'être là, d'exister. Parce que le problème, et tu as raison, c'est qu'il faut passer l'altérité. C'est ce que tu fais quand tu travailles avec de nouveaux comédiens. Moi, je vois que tu renouvelles la Maïka, qui est une nouvelle comédienne. Ouais. Et c'est aussi un vrai boulot, c'est aussi des challenges, ça. C'est vrai. Comme je te disais tout à l'heure, je ne reste jamais dans ma zone de confort. Je vais tout le temps chercher à faire d'autres choses, etc. Comme là, dernièrement, juste avant de finir, il y avait les migrants, c'est un sujet aussi qui me touche beaucoup. Et j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Don't Forget Us,
où je joue le rôle d'un migrant nigérian. Mmh. C'est un face-à-face avec un journaliste qui raconte son histoire. Et je l'ai mis un peu sur le net, ça a un peu tourné. Et beaucoup de gens ont aimé le projet. Et là, on a comme objectif, c'est de faire un long métrage là-dessus. Et quand il se fera, bien sûr, de faire une projection, mais dans partout en Afrique. Ouais. Voilà. Pour une caravane, qui traversera les pays africains, et on fera une projection pour empêcher les gens d'aller chercher ce qui se passe là-bas, parce que c'est pas toujours l'Eldorado qui y trouve, mais c'est souvent la mort, malheureusement. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. C'est pour ça que j'allais parler sur les migrants. Omar, on peut dire aussi quand même que aujourd'hui, quand même, la question des migrants est une vraie question, et que ce qui me choque, moi, c'est qu'aujourd'hui, on en parle pour essayer de dire comment on va fermer les frontières pour pas qu'ils rentrent, plutôt que d'en parler comme un développement, de mettre en place l'Afrique et la Méditerranée doit être un lieu de partage et non pas un lieu où on va mourir. Et donc, il faut travailler avec les pays sur le développement, sur un ensemble de choses. C'est et ça. Que ceux qui veulent bouger, bougent, mais il faut qu'on travaille pour la paix, pour les choses. Il faut arrêter de se replier sur soi, non ? Il ne faut pas qu'il y ait un espèce de repli ? Bah oui, si, justement. C'est pour ça que moi, j'ai eu besoin d'en parler, parce que j'en ai marre de voir la Méditerranée se transformer en cimetière, en fait. Ce sont des êtres humains qui sont là-bas, qui il y a même l'esclavage qui se passe là-bas dans certains pays, en Libye, etc. Par exemple, c'est inadmissible. On est en 2019 aujourd'hui, et à 2 heures de Paris, il se passe ces choses-là. Non, c'est pas possible. Tu as raison. Et puis les gens ne savent pas, Marc, la réalité, c'est que souvent, ce qu'on a conçu de sauvage, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Europe paye certains pays pour empêcher les gens de passer. Donc ils capturent des gens qu'ils enferment et ils sont payés là-dessus. Hein. Ouais, mais il y a tout un système qui est mis en place. Et même de certains Africains noirs aussi c'est partout, la bêtise humaine, elle est partout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, c'est la situation qui conduit à ce que... Donc en clair, c'est avec la complicité de tout le monde. C'est ça, et c'est ça qui est triste, en fait. Voilà, c'est parce qu'il faudrait... Non, mais souvent les gens voudraient dire c'est tel ou tel, c'est la complicité du monde qui tourne la tête et qui regarde pas. Il faut que ça cesse, en fait. Tout simplement, en fait, parce que là, c'est juste... Là, on est... C'est pas possible. Et pour... Mais par exemple, c'est anormal qu'on se pose sur la Méditerranée la question du sauvetage de l'Aquarius. Ouais. Est-ce qu'il doit sauver des gens ou pas? Tu sais que normalement, dans le droit international, tout le monde doit intervenir et porter assistance à personne en danger, bien surtout sûr. En mer. Bien sûr. Et que là, on voudrait tourner la tête quand c'est des Africains, c'est quand même inquiétant, ce monde. C'est pour ça, je peux pas voir ça. Ça me rend vraiment triste et c'est pas possible. Vraiment, c'est pour ça que moi, à mon niveau, c'est ça que je peux faire. C'est-à-dire faire un film là-dessus. Utiliser ton art pour faire passer les messages. Voilà. Et demain, si les gens qui ont le pouvoir, si demain ils peuvent faire des choses pour arrêter ça, bah, ils le feront. Et j'espère que... Voilà. C'est juste une petite pierre à l'édifice que je mets comme ça. Modestement, mais on a tous besoin de cette petite pierre. Ouais. En tous les cas, merci Omar d'être venu. Merci et à je toi vois que toujours pour la solidarité, we are toujours ready. Toujours voilà. Ready. Et bleu, blanc, et rouge. Voilà, et engagé bleu, blanc, rouge. Donc merci à Omar d'être venu. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Les lundis, 21h. Bonne soirée à toutes et tous. Et pour ceux qui n'ont pas encore dîné, bon appétit. À la semaine prochaine.